Salam alaykoum, cheikh, ainsi que ce présent. J'aurais voulu savoir comment doit agir une personne qui a beaucoup de reproches de ses proches parce qu'ils disent qu'elle ne parle que de religion. Ceci crée beaucoup de tensions au sein de la famille. Que lui conseillez-vous? Arrêter de parler de religion ou persévérer? Barakallahu fikum. Salam alaykoum. J'ai dit une fois que quand quelqu'un ne veut pas entendre, non. Et quand quelqu'un me dit, Annie, ne me parle pas de religion, je ne veux pas entendre. Non. La religion, non, ça a beaucoup plus de valeur que le pense cette personne. Et moi, je ne vais pas y aller. La vilir au point de la rendre, yani que yani je force cette personne à qu'il écoute. Non, au contraire, c'est lui qui doit aller pour que moi j'accepte de lui parler de religion. Donc, quand je vois une chose qui est contraire à la religion, par exemple, mon cas, si je peux, non, montrer et parler sans faire un cours. Juste dire que, par exemple, c'est haram, le hadith dit comme ça, l'Allah Ta'ala dit comme ça, si je peux. Mais si je peux pas, je sais qu'on va faire des problèmes, ou bien on va me frapper, ou bien on va faire sortir de la maison, ou bien, hein, je dis dans mon cœur, subhanallah, ni mal wakil, et moi j'ai voulu, eux ils ne veulent pas, hein, et, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voix, et les anges sont en train de marquer. Hein. Donc c'est pour cela que je dis à cette personne, si il veut pas que tu parles religion, ne parle pas, mais à condition que je ne suis pas obligé aussi de parler de ce qu'ils veulent, de rentrer donc dans les sujets qui ne m'intéressent pas. Comme vous, ça ne vous intéresse pas la religion, moi ça ne m'intéresse pas aussi ce que vous dites. Non. Donc discutez tout seul, moi je vais lire un livre ou je vais écouter le Coran ou bien je vais apprendre quelque chose de la Sunna ou de... Ça... Sauf si ce sont les parents, par exemple. Si ce sont les parents, non, et qui posent des questions, ou là, qui là, je parle. Ce n'est pas ça, je parle seulement Coran et Hadith, ou bien je ne parle avec personne. Dans ce cas, je peux même faire fuir les gens. Mais, non, je veux dire qu'en général, yani, mes discussions doivent être yani, bénéfiques. Al-Aqal, si au moins ce n'est pas dans le Coran de la Sunna, au moins dans les choses yani, de la dunya, mais qui sont yani, positives, qui sont nécessaires, qui sont... Mais ce n'est pas parler dans le lore où yani, les choses futiles du matin au soir. Non. Wallahu ta'ala, alam, tafadhal.